Mr. President, ladies and gentlemen, Mrs. Director General, dear former and current students of CIF, my name is Matthias Wächter. I am the Director General of CIF. It is a great honor for me to welcome you to this online Midi du CIF with Jean-Claude Juncker. As a statesman, Jean-Claude Juncker not only had an important impact on European policies over the last 40 years, he has also been among those who have always put emphasis on transmitting the sense, the reason of European integration to the citizens. He has relentlessly defended the European Union as a peace project whose significance and motivation remains as valid as it was in its founding years. During his long years in public office as Prime Minister of Luxembourg, head of the Eurogroup, President of the European Commission, he had to confront many crises of different nature, notably the financial crisis beginning in 2008-09, the refugee crisis of 2015, and Brexit. In a speech delivered in France in 2016, he talked about the poly crisis affecting Europe and needing more than ever European solidarity. We are thus very curious about your thoughts, Mr. President, about the current situation shaped by the COVID-19 crisis. The different steps of the political career of Jean-Claude Juncker should be known to everybody. Maybe not everybody knows that he has a long-lasting relation with CIF, since he was our president from 2004 to 2015. Since then, he is the honorary president of our organization, which is among the few institutions receiving an operating grant in the framework of the Jean Monnet program. We have talked about the language question with the president. He has the choice to pronounce himself in English or French. And Mr. President, the floor is yours. Thank you very much for accepting our invitation. Yeah, lieber Matthias, it's a pleasure for me to address the public, which is yours and ours. I will always remember the years when I was president of CIFI. This was a good period in my life, because sometimes I had the opportunity to travel to Nice, which is a nice place to be by comparison to Brussels and by comparison to Luxembourg. Although today it's very sunny in Brussels, but very, very cold. And I guess that the temperature in Nizza is better than the temperature in Brussels or elsewhere in the Nordic part of the European Union. I would like to address my compliments to those who are our students, because it's of the utmost importance that those having proved in their life that they are able to do different and major things, that they are attending the CIFI University, and I took always care to fund the university with the needed budgetary means. And that's the reason, by the way, I had to resign when I was appointed president of the commission, because you cannot have a body which is receiving funds and budgetary means from the European Commission if you are a member of the commission. And so I had to resign, leaving the office. I have left to my good friend Herman Van Rompuy, who did well and who is doing well, and he will join us later, as far as I understood. So I would like to propose you a certain number of elements
to be discussed and to be taken under exam. The first being that, referring to your introductory remarks, that we are still living in a poly crisis. The poly crisis is not over. When I was referring to the poly crisis, I don't know when, maybe in 2015 or 16, it was about refugees, it was about the coherence and the coordination inside the Eurogroup. Climate was always an issue which was taken into consideration by the European Commission, but now, and Crimea was an issue because the events around and in Crimea happened in 2014, but these elements are still there, and new elements have to be added to the list of these crises the European Union is going through. I am not a fan of describing the European Union as being always in crisis. When I started my political life in Brussels, that's going back to December 82, to tell you how old I am and to tell you that I'm veteran of European affairs, everyone spoke about the eurosclerosis. And member states did have a summit in Copenhagen, because this was happening to a Danish presidency, and Helmut Kohl was amongst those who were defending the European Union about this rumor that it was in permanent crisis. And nobody would have expected in 82, 83, that in 91, we would have a successful conclusion of the so-called Maastricht treaty and negotiations. I have good remembrance of that period, because I was chairing the intergovernmental conference leading to EMU when I was a finance minister in Luxembourg during the then Luxembourg presidency in the first semester, 91. But nobody would have believed that this would happen. Nobody would have believed that in 2004, member states coming from the central and the east of Europe would join the European Union, because this was a very important moment in European history, because we were able to reconcile European geography and European history during this preparatory way of these new democracies and newly discovered social market economies until 2004. So I'm against this idea that the European Union is in permanent crisis. Yes, we are to some extent, but from time to time, given the inspirations of those who are leading the European Union and giving the push given by the European public opinion, we were always able to overcome the difficulties of the moment. Now we are facing, as I said, another public crisis, keeping some elements on the desk, and new crises. We have launched, as the European Union, the Conference on the European Future. It was difficult to align all those who want to participate to this conference. The decision has been made to have three presidents, the one of the European Council, the one of the European Commission, the one of the European Parliament, which is in fact a bad idea, because this is will lack coherence between the three institutions. We are importing in the conference the differences and the divergences which do exist amongst institutions, but you can't do it without institutions. But I would have preferred to have one single person in charge of this conference, as did Giscard d'Estaing during the preparation, which failed, of the constitutional treaty back in 2001, 2, and 3, and beginning of 2004. But okay, this decision has been made. I do think that the public
involved in this conference has to be as large as possible, adding to policymakers, the opinion leaders in all our countries, national parliaments, and so on and so forth, as we did back in 2003 under Giscard's leadership. It didn't prove to be too much helpful, because before that, all of us, we thought that public opinions, NGOs, national parliaments, European Parliament, others should be involved in that exercise. They were involved, but the result was a no in France and a nay in the Netherlands and a yes in Spain and in Luxembourg. I was threatening Luxembourgers by saying that I would resign if the referendum which has taken place in Luxembourg would be a negative one. I think that those who are signing treaties have to take responsibility on the treaties and over the treaties. I was always suggesting during that period to my good friend, who unfortunately passed away, Jacques Chirac, by saying that if you are announcing to the French public that you will resign in the case of a yes, it will be yes. because when you are proceeding to referenda, people are not really responding to the question which is proposed by those who are organizing the referendum. Now we are living in the middle of a pandemic crisis, which is a real crisis because it hits everyone, everywhere in the world, with asymmetric consequences from one country to the other, including between the European countries. At the very beginning of the pandemic crisis, the reaction of the European Union and of the member states was a rather disastrous one, because each and every country tried to cook its own soup in their own corner, trying to replace the missing European competence by national actions. Why is it so that the European Union and thus the European Commission doesn't have proper competencies in the field of public health? Because this was an idea which has been refused during the Giscard Convention by a majority of member states. I remember perfectly well that the government in Luxembourg, I was the prime minister of that government, was proposing to extend to the public health sector the competencies of the European Union and of the Commission, but it was refused by a majority of member states. Now, there is a growing understanding for having a broader European say in that matter, which is a reaction which has to be welcomed. Apart the pandemic crisis, where we are making progress as far as the vaccination process is concerned, the European Union will be able to have a vaccination of 70% of the European population from now to the end of summer, beginning autumn. So this goal can be reached in the foreseen timetable. Things are progressing well, but the way the European Commission was handling the issue was at the very beginning not the best one, because the Commission gave the impression that it would be easy to vaccinate people in a short period of time, which of course didn't happen, not only because of the failure of AstraZeneca, but also the failure of the logistic preparations in member states. Member states did participate to the decision making as far as COVID-19 is concerned, but they are in charge of vaccination. And so this is not a matter for the Commission, but this is a matter for member states. But as always, member states, at least some of them, were accusing the Commission to have failed, which is a quite normal reaction of the member states, but which in fact is deeply unacceptable, because it happens every time
something is going wrong in the European Union. Commission is always accused to be lazy, to spend too much money, and to be not there where it should be, but now things have come in order. And so I think that we will reach the goal of 70% of vaccination from now to the beginning of summer. But there are other issues which have been heightened by the pandemic crisis. What about the banking union? The banking union, which has to be completed, is of paramount importance, and the Commission and others are working in that direction, but I wish them success. What about the common deposit guarantee scheme? There is no monetary union in the world which doesn't have a guarantee deposit scheme at its disposal. Have a look at the United States of America. If California is entering major budgetary and financial problems, the normal address is Washington, but not the IMF address in Washington, but the address of the federal government of the United States. I would have preferred us to have us dealing without the IMF. That was my proposal when I was the chair of the Eurogroup, but the decisions made mainly under German influence was to give this into the hands not only of the IMF, but the so-called Troika, Commission, Member States, and IMF. Now, I have to say that I'm very proud, together with others, to have saved, so to say, Greece, because there was a tendency in the Eurogroup and in the European Council to exclude Greece, at least for a temporary moment, from the euro area. I was told by many, many governments in 2015, when the Greek issue became as prominent as it was during that period, that the Commission should abstain from taking initiatives in that field. Mainly these voices came from Germany, Austria, Netherlands, and other so-called Orthodox Nordic countries. They are not by far more Orthodox than others are. And I said that according to the treaty, the Commission is in charge of the general interest of the European Union. And it was in the general interest of the European Union to keep Greece as a member of the euro area. Now Greece has done has delivered a lot of efforts, and things have really become normal inside the Eurogroup when it comes to Greece. Digital is another issue which is important. The pandemic crisis is revealing the fact that in more than a few countries of the European Union, the digital acclimatization to the modern world has not reached a level where we can deal easily with the digital issues. So the Commission is right to put emphasis on the digital progress, which has to be made inside the European Union. We will have to address, and coming back to the EMU issue, the need we do feel, and the need we know does exist, to take under examine the Growth and Stability Pact. This cannot be done this year nor next year, because the decision of the Commission to put into brackets the application of the Growth and Stability Pact has to be maintained. This is not the moment to come back to a kind of blind austerity policy, although the policy implemented by the European Union in former times was not blind and without nuances, but in 2001, 2002, we have to keep to stay on the avenue which has been decided by the European Commission. So a reform of the Stability Pact in order to simplify it,
is of utmost importance. We have put your mandate in place, a group of the, led by the President of the European Council and by the President of the Commission, the President of the Eurogroup, and the President of the ECB, in order to try to arrange all the problems we have been meeting during the period we all have in mind. This work has to be continued, not to implement the reform just now, but to prepare the implementation of reform in 2033, being understood that the public debt issue is a serious one. I don't think that those are right who are dealing with this debt and deficit issue in a by neglect way. No, no, no. This debt has to be paid back, and this paying back of the contracted debt has to start in 2023-2024. It cannot last until 2058, because we are putting on the shoulders of the younger generations a heavy load, which is not acceptable neither for them nor for those who are in responsibilities for the time being. Et puis, il y a toujours des crises sur un plan international. Nous avions estimé, enfin ceux qui sont plus âgés, que les bouleversements qui ont eu lieu en Europe de l'Est et notamment dans l'ex-Union soviétique et les changements qui ont été induits par ces bouleversements nous permettront de cueillir les dividendes de la paix. Je me rappelle très bien que nous avons eu des réunions avec Yeltsin au Palais de l'Élysée, où nous avons envisagé un avenir lumineux dans les relations entre la Russie et les pays de l'Europe, au sens Union européenne du terme. Au début, cela a fonctionné. Nous avons eu des réunions et des sommets avec les Russes et avec Vladimir Poutine, qui se déroulaient d'une façon convenable et prometteuse. Mais finalement, vu aux erreurs de parcours de la présidence russe, nous avons assisté, sans pouvoir réagir avec les moyens qu'il aurait fallu, mais je ne sais pas quels auraient été les moyens, à l'invasion de l'Ukraine, aux démêlés guerrières entre la Russie et l'Ukraine de l'Est. D'ailleurs, cette présence massive des troupes russes aux frontières de l'Ukraine est une espèce de drôle de guerre, une menace de guerre, et donc il faudra continuer à sanctionner lorsqu'il faut la Russie d'une façon efficace. Ceci ayant été dit, je crois que l'Europe, l'Union européenne, a intérêt à établir des relations, disons, pacifiés avec la Russie. Il n'y a pas d'architecture de sécurité en Europe sans l'apport de la Russie. Je sais que c'est une question difficilement résoluble, mais je crois qu'il y a tant de domaines où l'Union européenne et la Russie peuvent coopérer, si j'ose dire, pacifiquement, hors des conflits qui restent inacceptables quant à la démarche russe en Ukraine et en Crimée. Il y a la recherche, il y a la santé, il y a tant d'autres domaines où nous tirerions nous aussi profit d'une meilleure coopération entre l'Union européenne et la Russie. Et puis, il y a le conflit commercial avec la Chine. Nous avons pu mettre un terme à une autre drôle de guerre avec les États-Unis sur le commerce entre les États-Unis et l'Europe. J'avais visité en juillet 2018 Trump et nous avons réussi à résoudre ce problème, non seulement pour le court terme, mais aussi pour ce qui est du moyen terme.
Mais il y a un conflit qui reste, c'est que les États-Unis considèrent toujours que la balance commerciale entre les États-Unis et l'Union européenne se développe en défaveur des États-Unis, alors que tel n'est pas vrai. Si vous incluez dans la balance commerciale les services financiers, les États-Unis se révèlent être gagnants. Si vous limitez la comparaison aux seuls produits industriels, si j'ose dire, évidemment, l'Union européenne peut noter de son côté un certain avantage. Mais Trump considérait toujours que l'Union européenne était une invention qui fut dirigée contre les intérêts économiques et autres des États-Unis, ce qui ne fut jamais le mobile qui a conduit les pères fondateurs de l'Europe à créer l'Union européenne après avoir créé la communauté économique européenne. Nous avons des problèmes à la périphérie de l'Europe, ici, dont je parlais, certains problèmes difficiles à résoudre dans le Caucase du Sud, mais nous avons des problèmes en Afrique du Nord, notamment avec la Libye. Là, il faut une action forte en matière diplomatique de la part de l'Union européenne. Voilà, Mathias, quelques éléments que je voulais jeter dans le débat sans avoir été suffisamment exhaustif, mais je ne veux pas trop prendre sur votre temps, puisque Herman nous attend. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ces réflexions qui nous donnent beaucoup de matière à réfléchir et à vous poser des questions. Mon collègue Bruno Boissière a noté quelques questions et je vais donner la parole à Bruno pour sélectionner quelques questions qui ont été posées dans la section questions et réponses. Bruno. Oui, merci Mathias. Oui, Bruno, comme ancien membre du Parlement, vous avez beaucoup de questions et peu de réponses. En l'occurrence, aujourd'hui, les questions seront celles de notre public. Eh oui. Allez-y. Alors, je rappelle à l'attention de tous les participants qu'on appelle ici sur Zoom les spectateurs, mais ce seront des spectateurs actifs s'ils le souhaitent. Toutes les questions peuvent être posées en français ou en anglais, mais seulement dans l'espace, et vous voyez le bouton en bas de l'écran qui s'appelle Q et R en français, et j'imagine Q, N, R et N, E en anglais. Donc, questions et réponses, questions and answers. Seulement ici, vous devez poser vos questions. Vous pouvez aussi poser des questions en luxembourgeois. En luxembourgeois. Je vais prendre la méthode assimile. Et... Oui. Enfin, tout le monde ne maîtrise pas les grandes langues universelles. Je respecte le luxembourgeois. Bonjour, Président. Bonjour. Herman. Yeah. Oui, salut, ça va? Tu n'as pas changé, je vois. Oui. Mais alors, pas non plus, d'ailleurs. Merci. Le déclin est arrêté. Nous allons... Oui, enfin, tu atteins l'âge lentement, mais sûrement de la maturité. Merci. Bien. Revenons donc aux questions. Un petit nombre de questions sont déjà arrivées. Je vais présenter deux questions qui touchent aux questions de l'espace, on va dire, de l'espace politique européen. Une première question de Uffe, qui est très courte. What do you expect of Conference on the Future of Europe, qui va s'ouvrir donc le 9 mai à Strasbourg. Et puis, une deuxième question, je la pose immédiatement aussi, elle est en anglais, de Stefan Raab. Regarding the polycrisis, how could civic education be fostered to empower citizens to take part in shaping the process of European integration? Voilà les deux questions sur cette thématique. Je garde les prochaines questions sur d'autres thématiques quand vous aurez répondu à ces deux premières questions. Merci. Oui, but there are two questions. The first referring to the European conference. I was touching this issue during my introductory remarks. I'm not very optimistic when it comes to this
conference whenever there is the fear that member states, governments, and parts of the general public don't have an immediate response to deliver. They are creating a commission, they are creating a working group, they are creating a European conference. We had a European conference back in Giscard's times, and this was composed by different parts of not only the policy makers and the national parliaments and the European Parliament, but also by NGOs and the general public. It led to a no in France and in the Netherlands. So there is no guarantee that this conference will succeed. Of course, they will succeed because they will have lean conclusions. I don't think that it was a good idea to put into charge the presidents of the three institutions to lead this conference, which is not a ceremony, but a think tank on the European future. It would have been better to put one single person in charge of the lead of this conference. So I'm not over optimistic, but nor pessimistic. We'll see, but this conference is not a guarantee to pave the way for a better structure and better organized European future. Because if you have the three presidents of the three institutions, it could easily happen that things will be focused on inter-institutional questions, which is not the major concern of the general public in Europe. Pour ce qui est de la deuxième question, je ne suis pas un spécialiste des programmes scolaires en Europe, mais il me semblerait que vu l'importance de l'Union européenne et vu l'influence de l'Union européenne sur le devenir des États membres et sur la législation des différents États membres, il serait souhaitable que soit transmise aux plus jeunes générations un savoir sur l'Europe, ses mécanismes, sa façon de faire, sa façon de décider, qui serait plus développée qu'elle l'est à l'heure actuelle. Merci. Si vous le permettez, je vais enchaîner avec une question dans la même catégorie qui nous vient de Christophe Leclerc, un ancien du CIF, ancien étudiant et fondateur du réseau média Euractiv, qui vous pose cette question. Vous avez dit il y a quelques années, il faut armer médiatiquement l'Union européenne. Nos campagnes électorales sont toujours aussi dépendantes des plateformes et sujettes aux fake news. Pourquoi l'Union européenne est-elle aussi lente dans ce domaine critique pour la démocratie? Elle n'est pas lente, mais elle est insuffisamment rapide. La Commission, d'ailleurs ma Commission, avait mis en place un système de réaction contre les fake news. J'observe dans plusieurs médias européens que cette lutte contre les fake news est suivie avec attention, sauf en France, où évidemment on ne cesse de répéter les mêmes jugements erronés sur l'Union européenne. Donc, il est du devoir des gouvernements nationaux et de la presse qui ne doit pas être instrumentalisée, mais qui doit jouer son rôle d'information, de faire en sorte que ces fake news ne passent pas sans être assorties des démentis nécessaires. Alors, merci. On va passer à une question qui touche à l'euro. Question de Dominique Ristori, qui est un éminent membre de notre conseil d'administration du CIF, mais qui, jusqu'à plus ou moins la fin 2020, était directeur général de l'énergie à la Commission européenne. Sa question est la suivante. Cher Président, vous avez été le premier à promouvoir politiquement le rôle international de l'euro, en partant de l'exemple de notre facture énergétique. Comment voyez-vous la valeur ajoutée que l'Europe peut en tirer sur les plans financiers, économiques et géopolitiques? Il n'est pas normal, cher directeur général, que l'Union européenne et ses États membres traitent des affaires pétrolières, si j'ose dire, en monnaie étrangère, donc en dollars. L'euro est devenu ce que nous avions souhaité, mais ce que beaucoup
n'ont pas voulu croire la deuxième monnaie de réserve internationale, et donc il serait normal que les grands groupes pétroliers établissent leurs factures en euros au lieu de les établir en dollars. Il faut un mix entre le dollar et l'euro. Cela traduirait la volonté des Européens, si seulement cette volonté était partagée par les acteurs du marché, de faire preuve d'une certaine autonomie, non seulement monétaire, parce que le monétaire entraîne le politique. L'inverse est vrai, le politique souvent entraîne le monétaire, mais le monétaire peut entraîner le politique. Je crois donc qu'il faut accroître le rôle international de l'euro. C'est nécessaire, because those who are observing us from far, the other big players in the economic and monetary field, do consider that as long as the euro is not considered by the Europeans themselves as being a big value, there could be a loss in trust when it comes to the euro. So I do think that the international role of the euro has to be increased. Merci. Si vous le voulez bien, nous allons évoquer des questions qui touchent à la fois les politiques sectorielles et la politique internationale. Une question de Thomas Müller. Un peu longue, mais bon. La réponse est courte. Voilà, peut-être. Happy Earth Day and thank you for taking the time today. There was an agreement on the European climate law. Or European what? European climate law, la loi climat. Yeah. Or a Green New Deal in Brussels yesterday. Effectivement, il y a eu un accord, on l'a vu. Many are once again disappointing, sans doute il faut dire, by this, as many were after negotiation on the common agricultural policy, when even von der Leyen and Timmermans both said that it was not enough and not what they had in mind. The trouble we are facing with climate action now is due to the remaining inactive, passive, and ignoring facts about climate change for decades. Could you tell us a bit more why there was no action in this regard already 20 or 30 years ago, and why it also did not play a role on your agenda? No. You can't. Because I don't think that the assumption made by the one who was putting this question to our attention is not corresponding to the reality. Even back in 2005, who does remember 2005? A European Council was addressing the climate issue. And some member states were not willing to address this issue. I remember a remark of the then Danish Prime Minister and the later Secretary General of NATO, my good friend Fogh Rasmussen, who was saying, how do you know how the temperature was in pre-industrial times? Because there's been no recording of the temperature during that time, and others were saying exactly the same. We nevertheless succeeded to fix a certain number of goals back in 2005 for the world and for the European Union. And during the mandate of Herman Van Rompuy, climate issue was an everlasting, permanent subject of debate at the European Council level. Now there has been an agreement between the Council of Ministers and the European Parliament. I didn't have the opportunity to have a look in depth to the arrangements which were formed, but I do think that the fact that the European Union is saying that it has as a goal climate neutrality in 2055, and that from now to 2030 we have to reach a certain number of levels is pointing in the right direction. When it comes to climate change, according to those who are more interested in that question than others,
it's nothing, it's never enough. I don't think that it's enough when it comes to the European budget. My commission had proposed a higher level expenditure when it comes to climate change, to research and to public health. The European Council, with the agreement of the European Commission, was reducing all these levels, which was a major mistake and will pay the price for that. Merci. Est-ce que Herman est toujours là? Parce qu'il est là sur les gradins en nous observant, mais il ne prend jamais la parole. Notre président peut bien sûr prendre la parole quand il le souhaite. Je t'écoute. Oui. Mais moi, je n'avais pas l'habitude de t'écouter, donc je reste stupéfié par le long moment de silence que tu nous imposes. Bien, une question qui touche à l'international et notamment à la politique commerciale, mais en liaison avec l'environnement. What's your impression on the Europe-Mercosur free trade agreement? Possible negative effects on the environment sphere? I have negotiated this agreement between the Mercosur states and the European Union because the Commission is in charge of international trade. We have concluded during my mandate, partly during the mandate of Herman, 15 trade agreements with all in all 75 nations of the world, reflecting 2/3 of the global GDP. I do think that international trade is a matter of highest importance for the Europeans because 40 million of our jobs are depending on international trade, and Mercosur is a very important step in that better performing trade relation network we have with other parts of the world. This agreement has been signed in December 2018 in Buenos Aires, in the margins of a G20 meeting. I was presenting the agreement together with the then Argentinian president, and I was assisted by Macron, by Merkel, by Rutte, by the Spanish prime minister and other Europeans who were attending this G20 meeting. Now, they are stepping away from that agreement. It's always like that. They are there when we are celebrating. They are hiding away when problems do occur. But I do think that this agreement is of the highest importance. Of course, the behavior of Brazil and of its president is not helpful, because the deforestation, which is mentioned in the agreement, is not proceeding in the way we would like it to proceed. But it's important for the European Union to have well-organized trade relations with that part of the American continent. And we were negotiating for years, as we did with Japan, 20 years of negotiations. Then we concluded, as we were with Canada, then we concluded. The trade relations between Canada CETA treaty have developed in an extraordinary way since the signature of that treaty. Let's not be too negative on trade agreements. I know that the general public in Europe doesn't like these trade agreements, but it's heavily depending on them. Bien, merci. Alors, une question qui vient d'une de nos anciennes étudiantes, qui est auditor at the court of the European Court of Auditors. Yeah, Luxembourg. Absolument. Sa question est très brève et touche à un autre sujet. Je ne sais pas si en arrière-plan il y a l'épisode Michel von der Leyen, mais en tous les cas la question touche à la politique de l'Union européenne dans le domaine de l'égalité
de genre. What the EU could do to improve the gender equality in Europe. Mais moi, je ne crois pas que cet épisode que vous qualifiez d'un épisode entre Charles Michel et Ursula von der Leyen nous permettrait de réduire le rôle diplomatique international de l'Union européenne à cet épisode, comme vous l'avez qualifié, et je partage cet épisode. Il faut savoir qu'en matière protocolaire internationale, le numéro 1 dans le protocole est le président du Conseil européen et le numéro 2 est le président de la Commission qui dispose évidemment d'une compétence particulière en matière de commerce international et donc c'est à lui de traiter des questions de commerce. C'est ce que j'ai fait avec mon ami Herman. Il n'y a jamais eu des problèmes protocolaires entre nous deux et je crois que l'Union européenne ne devrait pas se permettre le luxe d'organiser un débat protocolaire entre la présidence du Conseil et la présidence de la Commission. Tout ce qui est excessif est ridicule. La politique du genre est à l'agenda de la Commission. J'avais fait en fait que le nombre des directrices générales et directrices augmente au sein de la Commission, portant leur nombre de 25 à 40%. Ce processus est toujours en cours. Et dans nos relations internationales, évidemment, l'Union européenne insiste toujours sur la nécessité qu'il y a de respecter un meilleur équilibre entre les genres. Ceci dit, je ne partage pas l'opinion de celles et de ceux qui voudraient nous amener dans la façon dont nous partageons la langue française vers une genrification excessive. Ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon cas. Je trouve cela non pas ridicule, mais très peu nécessaire. Et je ne suis pas membre de l'Académie française, mais membre de l'Académie des sciences morales et politiques, ce qui relève d'un autre genre, ou d'ailleurs, Académie, de laquelle je suis membre, les règles du genre sont mieux respectées qu'ailleurs. Monsieur le Président Van Rompuy, vous avez droit à un joker. Est-ce que c'est maintenant que vous voulez l'utiliser? Ouh là là, pas sur cette question, mais pour intervenir. La question de quoi? Du Sofagate. Sur quel sujet aimeriez-vous entendre le président Juncker? Ah, vous me surprenez. Il serait intéressant d'avoir son jugement, disons, général sur la place de l'Union européenne dans le monde. La Commission actuelle se dit être géopolitique, la Commission Juncker s'était qualifiée comme une commission politique, on va un pas plus loin et la Commission devient géopolitique, mais dans le monde qui change tellement, et nos rapports avec la Chine sont autres maintenant qu'il y a que dans la période de la Commission Juncker et autre que dans ma période, pour ainsi dire. Les relations avec les États-Unis ont suivi un cours tout à fait particulier, avec Bush qui lançait une guerre, et l'Union européenne était à ce moment-là assez divisée, mais bon, c'était caractérisé l'Amérique à ce moment-là comme unilatéraliste. Ensuite, il y a eu Obama, je me souviens toujours qu'on avait un sommet avec Obama. Et il disait, écoute, je vous aime bien, mais nos réunions sont ennuyeuses parce qu'on est d'accord sur tout. Il y a eu alors l'épisode Trump, on était d'accord sur rien. Maintenant, on est dans une nouvelle phase. On est dans une nouvelle phase. Et c'est intéressant de demander à Jean-Claude, vu son expérience qui date encore de plus longtemps que moi, quel genre de rapport envisage-t-il avec la Chine, avec les États-Unis,
Et en tout cas, en général, par rapport au multilatéralisme qui était en danger, qui semble en renaissance, tout au moins avec les États-Unis, mais comment est-ce qu'il voit la situation dans le monde et tout particulièrement le rôle que l'Union européenne pourra jouer? Voilà. Oui, ce n'est que ça, hein, ce n'est que une question. Mais Bruno, je suis un peu gêné par le fait que vous demandiez au président Van Rompuy de me poser des questions comme s'il était un auditeur comme tous les autres. Non, il est celui qu'il est. Il a présidé l'Union européenne de la meilleure façon possible et donc son rôle n'est pas de me poser des questions. Oui, mais quand même. Comme celle-ci, ça me gêne pas. Ça me gêne parce que comme président du Conseil européen, c'était lui qui était en charge des relations internationales et pas la Commission, bien que nous ayons eu plusieurs sommets internationaux, un G20 à Brisbane, Australie. Je me souviens. Oui, et où d'ailleurs j'ai rencontré Poutine pendant 6 heures pendant la nuit dans son hôtel pour parler des choses internationales qui nous occupaient et qui l'occupaient. C'était toujours avec Poutine des réunions intéressantes parce que je pouvais m'entretenir avec lui en allemand parce qu'il était membre du service secret soviétique en Allemagne de l'Est et donc il était fier de parler un allemand d'ailleurs. Excellent. Et puis nous avons vu à plusieurs reprises, nous deux, Obama, dans des réunions ailleurs, notamment à Cannes, oui. Lorsqu'on discutait de l'euro et de la Grèce, où Herman a joué un rôle prééminent. Et moi, j'étais président de l'Eurogroupe, donc j'étais là dans mon fauteuil, mais enfin, le fauteuil est devenu une injure maintenant dans les relations internationales, comme président de l'Eurogroupe. Je crois que, puisque Herman m'interroge, mais je n'aime pas l'expression, sur nos relations avec la Chine, je crois que nous nous sommes départis d'une certaine naïveté pour ce qui est des relations sino-européennes. Je me rappelle d'un mini-sommet à Paris, Macron, Merkel, le président Xi et moi-même sur le commerce international, où j'ai expliqué au président chinois, tout comme je l'avais fait dans mes réunions avec le premier ministre chinois, que bien sûr pour l'Europe, la Chine était un partenaire respecté et respectable, mais que nous sommes des rivaux et des compétiteurs, et que la Chine avait tort de considérer le marché intérieur européen comme un marché ouvert, y compris à toutes les vicissitudes chinoises. La Chine, avec ses entreprises fortement subventionnées par le budget central chinois, avait toujours libre accès au marché européen, alors que les compagnies, les entreprises européennes avaient du mal à pénétrer avec la même intensité le marché intérieur chinois qui est énorme et donc qui est pour les entreprises européennes une plateforme qu'il faut habiter dans la durée. Nous avons mis en place durant mon mandat un système de screening des investissements, investment screening system. Ce n'était pas un système à proprement parler dirigé contre la seule Chine, mais dans la tête de ceux qui ont lancé ce mécanisme, il y avait d'abord la Chine. D'ailleurs, les États membres de l'Europe du Nord, suédois, danois et autres, s'inscrivaient en faux contre cette démarche, mais finalement, elle fut adoptée par le Conseil européen. Nous avons en Europe, je n'ose pas dire une différence, mais des nuances entre ceux qui sont en faveur du free trade et ceux qui sont en faveur d'une réflexion plus nuancée sur le commerce libre. Et donc, nous avons avec la Chine, non pas des relations tumultueuses,
mais tout de même, en matière commerciale et de commerce international, des relations, disons, difficiles. Prenez l'exemple, take the example of the steel industry. The Chinese overproduction in the steel sector is exactly the double of the total steel production in Europe. And we were asking the Chinese, the president, the prime minister to change this instead of continuing these massive subventions, subsidies to the Chinese steel industry. Donc, il y a des problèmes objectifs entre la Chine et l'Union européenne. En plus, il y a un lourd différend sur le respect des droits de l'homme. Et nous avons toujours demandé, Herman et moi, et ses successeurs, de faire en sorte que la Chine, tout comme le Vietnam d'ailleurs, avec lequel nous avons conclu un accord commercial, ratifie les conventions de l'Organisation internationale du travail, dont l'accord entre la Commission et la Chine sur la protection des investissements, il y a une mention, même pas marginale, de la nécessité qu'il y a aux yeux des Européens de ratifier les conventions de l'Organisation internationale du travail. Moi, je suis un ancien ministre du Travail, donc un fan, un adhérent à la philosophie générale de l'Organisation internationale du travail. Et je me rappelle d'ailleurs de la présence vertueuse d'un concitoyen de Herman Michel Hansen, qui a été le directeur général de l'Organisation internationale du travail. Donc, il ne faut pas céder sur ces affaires-là, ni sur les droits de l'homme, qu'il faut mentionner, non seulement pour l'avoir mentionné, pour pouvoir le dire en conférence de presse, mais pour s'opposer vertueusement au modèle chinois qui n'est pas le nôtre. Moi, je suis admiratif devant les performances économiques de la Chine, je suis admiratif devant le fait que la Chine ait réussi à réduire le niveau de pauvreté en Chine, ce qui n'est pas une mince affaire. Je suis admiratif devant le fait que la Chine soit arrivée à loger tous les Chinois d'une façon plus ou moins convenable, mais je ne partage pas les vues et les pratiques chinoises en matière des droits de l'homme. Bien. On va rester sur l'international avec une question qui concerne les Western Balkans, les Balkans occidentaux. En fait, il y a plusieurs questions sur le sujet. La principale est libellée comme suit. Un petit instant. Dites-le. Voilà. J'y arrive. Voilà. Question d'un de nos anciens. At the end of your mandate, you visited Western Balkan region, and then you said that the region is still evidently not ready to join in the coming years. How do you see the policy of von der Leyen Commission towards the Western Balkans, and how do you see the progress of the six Western Balkan countries? Et une autre question touchait la question des frontières. Oui. Je ne commenterai jamais performances, les erreurs et les bienfaits de la présidence de Madame von der Leyen. J'ai un principe dans la vie, je ne commente jamais ce que mes prédécesseurs ont fait, et je ne commente jamais ce que mes successeurs ont fait. Ne fût-ce que pour la raison que je suis toujours le prédateur de quelqu'un et le successeur d'un autre. Donc, je m'abstiens de tout commentaire à cet égard. Mais il est vrai qu'au début de mon mandat, when I was starting as the president of the commission, I was saying that during these 5 years of my mandate, no Balkan nation could and would join the European Union because this states were not ready to do so. And at the very end of my mandate, I was repeating that assessment. When I said it at the beginning of the mandate,
I was heavily attacked by several members of European Parliament and by all the governments of the Western Balkan region. I visited the Western Balkans as determined during this time, back in 2017 or 18. And I discovered, but I did not discover it, I knew it, but I was confirmed by my thinking that as long as the border issues are not clear and not solved between the different members of the Western Balkans, there is no chance for them to enter the European Union. I have a bad experience with Croatia and Slovenia. They have a border problem in the sea. And one day Slovenia is blocked in something and the other day Croatia is blocked in something because they don't agree on the border problem they have. Nobody else in Europe is taking into consideration. You have to solve the border problems in a region before this region or parts of that region can join the European Union. This having been said, I do, by conviction, think that we have to maintain what we are calling the European perspective of the Western Balkans. Some decades ago, during our lifetime, we had a war in the Balkans. And if these states and nations, some of them being more proud than others, will have the impression that they are kept away from their European avenue, we could easily assist and witness new military conflicts in that region. And so I'm in favor of having the Western Balkan members, states being members of the European Union, but they first have to fulfill their internal problems, which as far as their solution is concerned are reflecting the expectations of the European Union. Nous allons rester sur les questions internationales. Demandez un peu à Herman ce qu'il pense des Balkans occidentaux parce qu'il connaît bien mieux la question que moi-même. Oui, très très brièvement. On oublie souvent qu'on a ouvert des négociations avec certains pays. Je crois que même Jean-Claude, c'était de ton temps qu'on a ouvert les négociations avec la Serbie. Hein? On a d'abord accepté comme candidat membre, ensuite on a commencé à négocier. Même chose avec le Monténégro, qui est un petit pays, mais enfin, petit, c'est ce que ça veut dire. Hein? Ce n'est pas un grand duché, c'est vrai. Oui, oui. J'ai entendu cette blague à maintes reprises, mais elle est toujours bonne. Elle est toujours bonne. Oui, oui, oui. J'ai souvent parlé du petit royaume de Belgique et du grand-duché de Luxembourg. L'autre blague que j'ai beaucoup appréciée, c'est la conférence de presse que tu as eue une fois avec le Premier ministre chinois. Et qui a dit, nous autres, le Luxembourg et la Chine, ensemble, 1 milliard, 300 millions et 900 000 habitants, nous sommes l'économie la plus importante du monde. C'est vrai, c'est vrai. Mais je continue. Donc, on a travaillé avec, on a accepté la Serbie, le Monténégro, je crois aussi l'Albanie, comme candidat. On a finalement réussi à ouvrir les négociations avec la Macédoine du Nord, quoiqu'il y a encore un problème avec la Bulgarie. Donc, on a fait des progrès. On a fait des progrès. Bien sûr, ces pays-là doivent remplir les conditions. C'est un long processus. C'est pourquoi moi, j'étais tout à fait d'accord. J'avais déjà quitté le Conseil européen est tout à fait d'accord à ce que le président de la Commission disait tout au début de son mandat, ça prendra plus que 5 ans. Donc, pendant mon mandat, personne, disons, n'accédera à l'Union européenne.
Donc, ça prend du temps. Et il y a aussi, comme on vient de l'évoquer, et des problèmes, disons, à l'intérieur du Balkan occidental, entre autres les problèmes de frontières et les cas de la Croatie, de la Slovénie, tous deux membres de l'Union européenne, est un cas flagrant. On a tiré cette leçon de problématique des frontières pour les nouveaux candidats membres. Donc, on doit résoudre ce problème parce que sinon, on aura le problème quand les autres seront effectivement devenus membres. Il y a aussi le problème délicat du rule of law, de l'état de droit. On a, avec la Roumanie et la Bulgarie, on est toujours dans cette problématique. La leçon qu'on en tire, c'est qu'on doit clarifier ça avant qu'on entre dans l'Union européenne. Donc, mais somme toute, non seulement on n'oublie pas le Balkan occidental, c'est extrêmement important pour la guerre et la paix en Union européenne, et la guerre et la paix, c'est la raison d'être de l'Union européenne. On fait des progrès, mais on est en train de négocier avec certains pays, mais eux doivent remplir les conditions. They have to do their homework. Et ça prend du temps. Ma dernière remarque, on dit souvent « the enlargement fatigue ». De mon temps, on a accepté la Croatie comme membre effectif de l'Union européenne. De ce temps-là, on parlait aussi de l'enlargement fatigue. Mais il y a eu, à ce moment-là, le 28e membre, c'était la Croatie. Et je suis certain, quand on bouclera les négociations, on prendra la décision de les accepter. Si on ne le fait pas, non seulement il y a le danger de guerre, mais il y a la tentation russe, il y a la tentation chinoise. Disons, on ne peut pas laisser faire tout ça à l'intérieur du continent européen. Voilà. J'ajouterai une remarque au propos de Herman. Lorsque j'ai voyagé à travers les Balkans occidentaux, les cinq pays, et Kosovo, parce qu'on ne peut pas parler d'un État, bien que je veuille le faire parce que plusieurs membres de l'Union européenne ne reconnaissent pas l'existence indépendante du Kosovo, j'ai noté une forte présence des Chinois dans les Balkans occidentaux et une aussi forte présence des Turcs dans les Balkans occidentaux. La nature a horreur du vide et si les Européens devait se décider à ne plus s'occuper des Balkans occidentaux, le remplaçant est déjà là. Tout à fait. Pardon, j'avais oublié de remettre le micro. Voilà, une question dans le domaine de la politique extérieure. Question d'Aria Krauenberg, qui est la présidente de l'importante Lifelong Learning Platform, et qui est la suivante. How can the EU react effectively to the threat of a Russian invasion in Ukraine? I do think that presence of the Russian army at the immediate borders of East Ukraine is something which is close to war. And some of our leaders, Merkel, Macron, they were talking again and again, and even recently, to the Russian president in order to alert them against the danger this military presence of Russia at the borders of Ukraine is entailing. We have to be perfectly clear when it comes to that issue. We have to make sure that Russia is understanding our concerns when it comes to that issue. And Borrell made it perfectly clear, not only during his visit to Moscow, but also in his public statements later on, that this is observed by the member states of the European Union with
great concern. Alors, merci. Une question de David Spence qui va nous ramener à l'architecture institutionnelle de l'Union européenne. La question est la suivante. The European External Action Service was created 10 years ago. At the time, the Commission argued that the EEAS should be placed in the Commission. 10 years after, what is your view? Would the EU be a stronger presence in global affairs if the EEAS had been placed in the Commission, and why? The High Representative is, by the treaty provisions, a vice president of the Commission. When Federica Mogherini was the head of the external service, her office was at the Parlement in the Commission, whereas her predecessor, Mrs. Ashton, was never present in the Parlement building, nor in her office at the Parlement, because she didn't have an office, and she was not attending the meetings of European Commission on a regular basis, whereas Mrs. Mogherini did so. I do think that we have to take reality into consideration. The diplomatic role of the European Commission is divided at the advantage of the European Council and thus of the European Member States in the European Council. The European Council is in charge, as are the Member States, of the international relations. And I don't like this beauty contest between the European Council and the European Commission when it comes to foreign relations. The Commission is in charge of trade, and the Council and its president is in charge of all the other internationally relevant questions. But I do think that the European Union as such has to play a bigger role in international affairs. The European Union should not restrict it to its role as payers, but the European Union is also a player, which has as a precondition that we don't organize a competition between the European Council and the European Commission. That doesn't make sense in the eyes of others. Voilà, une question de Sofia Deiro. A couple of weeks ago, the Italian Prime Minister, Mr. Mario Draghi, during a press conference, defined Turkish President Recep Erdogan with the word dictator. Je crois que ça me rappelle une... ça vous rappelle aussi quelque chose à l'entrée d'un Conseil européen. Do you agree with his words? And what impact do you think this is going to have on the relationships between the European Union and Turkey? No, the remark of my good friend Mario was done a few days after the SOFA event in Ankara. I would not say that Erdogan is a dictator, is a full-fledged dictator, but he has tweaks of dictatorship. And I don't think that this will play a role in the relations between the European Union. Bien, une question qui vise les prochaines élections du Parlement européen. Vous avez été élu, donc c'est après l'élection du Parlement européen, avec le mécanisme des Spitzenkandidaten. Selon vous, pourquoi ce mécanisme n'a pas fonctionné avec Ursula von der Leyen en 2019? Et j'ajouterais, et comment voyez-vous le retour de cette procédure dans les prochaines élections? J'ai toujours considéré, contrairement à d'autres, que le mécanisme du Spitzenkandidat était une petite avancée en matière de démocratie directe européenne. J'ai beaucoup regretté que le Parlement européen, lui, qui a toujours défendu ce principe,
ce soit débobiné au moment de l'élection de mon successeur. Je crois que c'est une faute. Ce n'est pas une remarque dirigée contre Ursula von der Leyen, mais contre ce mécanisme à l'origine parlementaire qui a été trahi, et notamment par Verhofstadt, par le Parlement européen. Mais je sais qu'il y a d'autres collègues vertueux et même des amis comme Herman Van Rompuy qui opposaient à ce mécanisme un certain scepticisme. Bien. Demandez-lui. Oui, c'était une perche tendue, donc oui. Dans Van Rompuy. Oui, mais c'est un débat, je crois, un petit peu dépassé. Avec la décision prise sur l'élection du nouveau président de la Commission, je crois qu'on devra repenser la méthode de désignation du président de la Commission. Un retour vers le Spitzenkandidat n'est pas trop crédible, mais nommer un président de la Commission, disons, contre le Parlement européen, contre la volonté du Parlement européen, pose aussi problème. Je crois qu'on doit repenser tout ça. Ce sera d'ailleurs un beau thème pour oui. La conférence sur le futur de l'Europe. Ce sera un beau thème. C'est une question institutionnelle, bien sûr, qui n'intéresse pas trop les gens. Mais la conférence sur le futur, l'avenir de l'Europe, ne doit pas être un one-way street où on ne fait qu'écouter. C'est aussi le lieu de lancer, si nécessaire, de nouvelles idées. Et donc, puisqu'on a eu ce débat sur le Spitzenkandidat, c'est terminé comme ça s'est terminé. Je crois qu'il y a maintenant, va y avoir une belle occasion pour réfléchir à la méthode de désignation du futur président de la Commission. Voilà un des thèmes possibles pour la conférence, qui ne doit pas être uniquement une conférence où on écoute. Il faut toujours écouter, mais il doit y avoir aussi une conférence avec des propositions. Et des propositions. Et c'est une parmi beaucoup d'autres qui peuvent se faire. Je dois à la vérité de dire que tant que le Parti populaire européen est le parti le plus large, le plus grand, et le plus influent et le mieux élu en Europe, d'autres qui ne font pas partie du PPE n'aiment pas l'idée du Spitzenkandidat parce que Macron a toujours considéré que le PPE allait gagner les élections et que donc son Spitzenkandidat serait automatiquement président de la Commission. Le jour où les socialistes auront gagné les élections européennes, comme ils l'avaient fait lors des premières élections européennes en 79, en 79, vous allez voir que l'idée fera une rentrée joyeuse. Et il faut dire, et moi j'étais président du Conseil européen, il faut dire qu'en 2014, les socialistes à certains moments espéraient avoir la présidence de la Commission, souviens-toi avec Martin Schulz, oui. Le PPE a gagné les élections, tu étais notre candidat. Au Conseil européen, le président François Hollande, socialiste, a dit « On a choisi ce système de Spitzenkandidat, eh bien, on s'incline devant le résultat du scrutin, on soutient Jean-Claude Juncker. » Mais ça, il fut un temps, c'est 2014. Vive Hollande. Il y a une question dans un domaine que l'on n'a pas beaucoup abordé aujourd'hui. What should be the EU position concerning Biden's proposal for a global transaction tax? Je pense qu'on fait référence à la taxe sur les transactions financières qui est dans l'air depuis longtemps. Quelle perspective lui voyez-vous? Non, je crois qu'on ne fait pas trop référence à la taxe sur les transactions financières, mais sur une imposition minimale des grands groupes industriels à travers le globe. Je suis plutôt et en faveur de l'une et en faveur de l'autre des propositions. Je suis pour une taxe sur les transactions financières si cela est chargement
mis en place, et je considère toujours que le dumping fiscal est arrivé à terme et qu'il faut, sur un plan global, faire en sorte qu'il y ait une imposition minimale sur les bénéfices. Donc, je suis plutôt en faveur de la proposition de Biden, proposition d'ailleurs reprise à de nombreux moments par la commission que je préside. Bien, nous approchons de la fin. Il me vient une question qui fait référence à une interview que vous avez donnée à une chaîne de télévision, je ne sais plus laquelle, France 24 ou Euronews, où vous commentiez avec du recul les critères de Maastricht, et où vous sembliez penser qu'on avait sous-estimé l'importance de mieux intégrer les questions sociales. Je voudrais que vous... Oui, mais enfin, sur l'union économique et monétaire, il y a toujours un débat entre ceux qui voulaient donner plus de pouvoir et de compétences au bras économique de l'union monétaire, comme le bras monétaire est organisé dans une splendide indépendance qu'il faut à tout prix préserver dans le camp de la Banque Centrale Européenne, cette indépendance monétaire de la Banque Européenne, d'ailleurs aujourd'hui n'est plus contestée, alors qu'elle fut à l'époque de la négociation du traité de Maastricht, parce que notamment les Français, via leur ministre des Finances d'alors, Pierre Bérégovoy, n'aimaient pas trop l'idée de l'indépendance d'une banque centrale européenne, comme la Banque de France est toujours sous les ordres du gouvernement parisien. Je crois que ce débat persiste, mais qu'il faudrait que nous améliorions la coordination entre les différents États membres de la zone euro en matière économique, parce que parfois la moitié des États membres se dirigent d'un côté et les autres d'un autre côté. Mais imaginez-vous les crises successives qu'aurait connues l'ordre monétaire européen s'il n'y avait pas eu la main régulatrice de la banque centrale. Les banques nationales et les banques et les gouvernements nationaux auraient fait à leur tête, alors que au moment de la crise économique et financière que nous avons connue, la Banque centrale européenne était là pour veiller au grain. Et donc, je crois que tout en voyant la nécessité d'armer plus fortement le bras économique de l'Union économique et monétaire, qu'il faudra préserver l'indépendance de la Banque centrale. Mais ça n'est plus pas votre question que j'ai oubliée en m'écoutant avec admiration. Non, je crois que vous avez répondu plus ou moins à ma curiosité. Oui. Pas de souci. Peut-être une dernière question, parce que l'horloge avance. Comme nous l'avions programmé, nous allons terminer vers 13 heures. Pour vous libérer, une question qui a occupé l'Union européenne ces dernières années, qui a été en partie clarifiée avec la sortie du parti de Orban du PPE, mais la question de l'état de droit est encore bien présente, parce que ça ne concerne pas seulement la Hongrie, mais aussi la Pologne, voire quelques autres pays sur certains aspects, notamment la question de la liberté de la presse. Qui est un vrai souci dans plusieurs États membres. Comment voyez-vous la possibilité d'utiliser ce qui sortira de la conférence pour l'avenir de l'Union européenne pour renforcer cette présence, cette condition de l'état de droit dans l'avenir de la politique européenne et de son financement également? Herman, en répondant à peu près la même question, a mentionné la Roumanie et la Bulgarie qui posent des problèmes en la matière, mais il y a surtout le problème posé par la Hongrie et par la Pologne. La Commission a saisi le juge européen de différends qui exista
entre la Commission et les deux États membres auxquels je faisais référence. Et je crois que la Commission, jusqu'à ces derniers jours, avait et a raison de porter ce différend entre l'Union européenne et la Pologne et la Hongrie devant le juge européen. La règle, l'observation de la règle du droit n'est pas une mince affaire. Voyez-vous, l'Europe ne dispose pas d'un gouvernement puisque l'Europe n'est pas un État. Et certains commissaires considéraient toujours que la Commission est un gouvernement européen, point de vue auquel je ne me suis jamais rallié, parce qu'il y a une sale division de travail entre les gouvernements, le Conseil européen, le Conseil des ministres, la Commission et le Parlement européen. Mais lorsque vous n'avez pas de gouvernement, il faut des règles. C'est vrai pour l'Union économique et monétaire, parce que les règles retenu par le traité de Maastricht, les 3% et 60% méritent d'être revus parce qu'elles ne sont plus d'application immédiate et d'application éternelle, mais c'est un autre débat dont je ne voudrais pas que nous le concluions trop rapidement parce que c'est une question qui mérite moult réflexions. Et la règle du droit est un autre exemple d'un système réglementaire dont un ensemble sous égal risque en Union européenne a besoin pour pouvoir fonctionner convenablement. C'est d'ailleurs, je l'ai souvent dit à Viktor Orban et à d'autres, c'est une règle qui protège surtout les États membres de moindre importance. Les petits États membres, les États membres de moyenne importance, parce que si la règle de droit n'est plus respectée, c'est la force du poids démographique et géographique qui l'emportera sur toute autre considération. Donc, il ne faut pas sous-estimer la vertu de la règle de droit qui n'est pas négociable. Et donc, je voudrais que et la Pologne et la Hongrie, ainsi que d'autres, changent d'approche. Leur approche n'est pas la bonne. Elle n'est pas européenne. Elle est ahistorique parce que des générations d'hommes et de femmes ont combattu pour faire en sorte que le droit existe et que le droit l'emporte sur toute autre considération. Il faudrait que membres de l'Union européenne, la Pologne et la Hongrie se rangent à cette sage but. Je vous remercie. Ici s'arrête ma mission d'animation du débat qui n'a pas pris la tournure que j'avais pensé préalablement, mais c'est toujours comme ça. Je m'excuse auprès de tous les participants qui ont posé des questions. Toutes n'ont pas pu être posées en fonction des équilibres linguistiques, voire thématiques, mais je suis sûr que vous avez trouvé de l'intérêt à toutes les réponses qui ont été portées aux questions posées. Je laisse la parole à notre directeur général, Matthias Bechter, pour un mot de conclusion. Thank you very much, Bruno. I just have to thank President Jean-Claude Juncker for having devoted so much time to us and for having answered so many diverse questions. You have not only shared your long experience with us and the lessons that you can take from this long experience, but also your diagnosis on many current issues. And I think we have learned very much. Myself, I have learned a lot from this debate, and it was very inspiring and enlightening. Thank you very much. Thank you also to our current president, Herman Van Rompuy, for having joined the discussion and for having been an active member of the debate. Thank you to all our participants. I also join the excuses made by Bruno for the fact that not all questions could be raised. It was simply impossible to give the floor to each question. Thank you very much. And I hope we will have another occasion, Jean-Claude Juncker, to discuss with you in the framework of a CIF event. Thank you. Je vous remercie beaucoup. Et je remercie surtout Herman Van Rompuy de ne pas avoir m'interrompu, ce qu'il faisait toujours et souvent lorsqu'il était président
du Conseil européen et lorsque j'étais Premier ministre. Merci pour ton amitié, Herman. Merci, merci Jean-Claude. Au revoir. Au revoir. Bien de te revoir. Oui, salut. Salut. Au revoir. Ciao. Au revoir. Bye bye.